dans les réserves, il y a une atmosphère un peu particulière au niveau de la température, du climat. En fait, le climat est surveillé en permanence. On a un logiciel qui va contrôler la température et l'hygrométrie. Voilà, c'est des relevés en temps réel. On maintient un taux d'hygrométrie de 50% et une température de 18 degrés été comme hiver. Voilà. La lumière est éteinte pratiquement en permanence, évidemment, sauf quand on vient chercher un costume ou le ranger. On a deux possibilités pour stocker effectivement un costume tel que ceci, soit sur penderie, soit dans des tiroirs à plat quand les costumes sont extrêmement fragiles. Je fais de la micro-aspiration, ce qui permet de dépoussiérer et rendre le costume beaucoup plus lumineux, car la poussière vient ternir les couleurs du tissu. Donc avec ce type d'appareil-là, on peut retirer les micro-poussières qui s'accumulent dans le tissu. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on aborde ce genre de pièces-là.